Salut à tous, je reprends la même animation qu'on a vue en classe. Je commence par sélectionner les objets, puis j'active AutoKey et j'enregistre une clé. Cette clé-là comprend l'état initial de tous les objets. Puis, je sélectionne par exemple Turbo Smooth. Et ici, je vais faire une petite rotation à Turbo Smooth. Bien sûr, je crée une clé et je fais ma petite rotation. Puis, j'avance encore un peu sur Timeline, j'ajoute une clé et là, je remets Turbo Smooth sur son état initial. Maintenant, je sélectionne la boutique, j'avance un peu sur Timeline et je crée une clé. J'ajoute deux itérations. Puis, je sélectionne l'autre objet, j'avance un peu sur Timeline, j'ajoute ici deux itérations, et voilà, regardez ce que ça fait. J'anime Turbo Smooth, puis je fais une démonstration pour Turbo Smooth. D'accord, maintenant FFD. Ça, c'était mon dernier objet. Ça, c'était ma dernière clé. Maintenant, je sélectionne FFD. J'avance un peu sur Timeline. Je crée une clé. Puis, je fais une petite rotation. Puis, j'avance un peu sur Timeline. Je crée une clé. Je remets FFD à son état initial. Ça veut dire avant la rotation. Puis, je sélectionne l'objet, j'avance un peu sur Timeline, puis je fais ma modification. Ah, n'oubliez pas de créer une clé si vous allez faire une modification. Pour moi, je vais mettre ces quatre points là à 100. Sur l'axe des Z. Puis, j'avance un peu sur Timeline. Je crée une clé. Je fais une rotation. Oups là, c'est joli. J'avance sur Timeline. Je crée une clé. Puis, je fais un scale. C'est fini pour FFD. Je passe à Shell. Je sélectionne Shell. Il faut que je sorte du mode de FFD. Je sélectionne Shell. Alors, ma dernière clé, c'était à 19 sur 100. J'avance sur Timeline. Je crée une clé. Par exemple, cette fois-ci, je fais un scale. Je change le mode de scale. Je fais un scale ici pour dire que je vais parler maintenant de shell. J'avance sur timeline, je crée une clé et j'essaie de remettre shell à son état initial. J'avance encore un peu sur shell, sur timeline. Je sélectionne le plan. Puis, je vais manipuler les paramètres de shell. Par exemple, n'oubliez pas toujours de créer une clé si vous faites une modification. Par exemple, je mets une valeur de 5 ici pour inner amount. Vous avez vu où ça va. Ça va de l'autre sens. Maintenant, je vais créer une autre épaisseur ici, dans ce sens-là. Alors, je mets 7, par exemple. Voilà, tu peux mettre un segment au milieu. Ça, c'est pour shell. J'aurais dû faire de cette manière. Je remets AutoAmount à 0. Et j'avance un peu sur Timeline. Je crée une clé. Oui, je
mais 7. Voilà. Regardez ce que ça fait à l'heure. Voilà. Ma dernière modification, c'était à 27 sur 10. Maintenant, je sélectionne Lattice. Voilà. J'avance un peu sur Timeline. Je crée une clé. Et je fais une modification, par exemple, comme ça. Voilà. Et sur une autre clé, je remets à son état initial. Voilà. Puis, je sélectionne mon objet. Je crée une clé. Ici, par exemple, je vais mettre only vertices. Ça veut dire, là, je me contente des boules. Je crée une autre clé. Je mets seulement les edges. Et sur une autre clé, je dis, je veux les deux. Voilà. Pour les autres paramètres, vous les connaissez. Taper maintenant. Ma dernière clé, c'était à 35 sur 10. J'avance un peu sur Timeline. Puis, je sélectionne Taper. Je crée une clé. Là, je fais une rotation et un scale, par exemple. J'avance 2 secondes. Je crée une clé. Pour la rotation, ici, c'était 0. Pour le scale, j'essaie de remettre sur son état initial. Voilà. Ça c'est fait, je passe à Taper. Normalement, je remets le box à son état initial, puis j'avance un peu, je crée une clé, je commence à modifier. Regardez ce que ça fait. Puis, je fais une petite courbe. Non, je veux que ça soit négatif. Je fais ça. Ah, j'aurais dû faire ça sur une autre clé. Voilà, pour enrichir l'animation. Voilà. Regardez ce que ça fait. Voilà. Et pour bind, j'avance 2 secondes, je crée une clé. Ah, j'aurais dû faire ça, sélectionner bind. Je crée une clé, je fais une rotation, puis je crée une clé, une autre rotation. Puis, une autre clé, je remets ça à 0. J'avance sur Timeline. Je sélectionne Bind. Je crée une clé. L'autre clé, je n'ai pas besoin. Je n'ai rien enregistré la clé. C'est pour cela que je l'ai supprimée. Voilà. Voyons donc Bind. Je commence par faire un angle de rotation de... C'est pas une rotation, c'est une déformation de bind. J'avance sur Timeline. Je crée une clé et là, je choisis une direction. Je pourrais aussi
créer une autre clé. Je m'excuse. Alors, j'essaye l'autre direction. D'accord. Non, non, ça c'est plus beau. C'est ma dernière modification. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Regardez. Je clique play. Voilà, au revoir.